Chers amis, frères et sœurs, pour la plupart somnolents du peuple sénégalais, nous voilà arrivés à la croisée des chemins. Là où une seule et unique voix s'impose, que ce soit de manière individuelle, mais surtout collective. Au moment où une redistribution globale s'opère au niveau mondial pour une Afrique sans les Africains, un choix est définitivement à faire pour chacun de nous. Les données changent, les énergies fluctuent au gré des intérêts vitaux des uns et des autres, et un nouveau paradigme s'impose à nous, celui de l'autodétermination autocentrée autour de nos valeurs réelles, dont il ne reste malheureusement plus la moindre trace au tréfonds de nos carapaces d'aliénés désabusés, soumis et inconsciemment contraints à vivre une vie de moins que rien, dans le concert de nations où seule la loi du plus fort règne. Je m'adresse à toutes et à tous pour info seulement, mais ne suis réellement et solidairement porté que vers ceux qui courageusement émettront le souhait d'affirmer leur volonté de puissance, car c'est bien de ça qu'il s'agit, dit l'honorable grand frère. Après la pluie, le beau temps, disons-nous, après le chaos, la renaissance. Ceci est une loi universelle. D'où mon étonnement à ce qu'on puisse froidement daigner se constater cet état de fait ici. Faisons donc l'effort, s'il vous plaît, de nous détacher du conditionnement mental qui nous caractérise et limite nos champs de vision et d'action pour ensemble développer un effort de réflexion collective, pour paraphraser la prose d'un autre illustre grand frère. Comment pouvons-nous encore nous considérer comme des hommes dignes dans ce soi-disant pays ou angle colonial et globalement dans le continent, plus largement dans ce monde où nous n'avons ni le droit de penser par nous-mêmes, ni la possibilité d'exercer le libre arbitre inné à chaque être humain, ni de jouir des fruits de notre labeur, ni de jouir de nos propres richesses, ni d'avoir la liberté de nous mouvoir où bon nous semble. Il nous faut dès lors déjà respirer à plein poumon. Prendre notre courage à deux mains et accepter de faire le sale boulot salutaire, afin que les générations futures puissent marcher fièrement, la tête haute, et vivre dans l'abondance naturellement octroyée par la providence divine éternellement à notre endroit. Ce ne sera pas chose aisée, mais rien n'est difficile ou insurmontable pour un esprit libre, éclairé par la connaissance et la fière acceptation de soi, qui a pris le temps de faire ses devoirs en s'instruisant à la bonne école, notamment celle éthiopienne, et qui a mis tout son être au service de la matérialisation de sa farouche aspiration à vivre et à bien vivre. Ceci est donc juste un avant-propos qui sera suivi d'une mise en exergue progressive graduelle de tous les carcans qui nous tiennent en laisse depuis plus de deux millénaires, avec une pression continue du genou de l'oppresseur sur nos têtes à terre, telle l'image de Floyd qui nous a été sciemment et insidieusement servie. Belkane, afin qu'il se grave dans notre subconscient pour acceptation et capitulation définitive, ce qui ne saurait point être. Une rupture globale est déjà en cours, que vous en soyez conscient ou pas, et devra se faire à tous les niveaux, parallèlement à l'implémentation progressive d'un système alternatif économique, social, solidaire et circulaire qui nous sied, à contre-courant de la logique vampiriste capitaliste qui nous a tant fait souffrir jusque-là. Nous y reviendrons tantôt. Connais ton histoire, sache d'où tu viens. Tu comprendras pourquoi tu en es là, où tu en es, pourquoi tu y es encore, et tu pourras dès lors envisager de tracer ta route demain là où bon te semble, en toute liberté et possession de tes moyens, après avoir pris soin pendant ce temps de régler avec courage, science et méthodologie les affaires courantes pendantes. Que tout le monde se retienne pour dire, Marte Ban Ben Bug. Puisqu'apparemment ici tout le monde est muet, plus muet même que les muets eux-mêmes ne le sont. Mettre le doigt là, ça fait mal.
et parlerons des contingences internes, religieuses et culturelles qui nous, donc qui vous immobilisent, de la domination économique agressive de l'oppresseur sous ses innombrables formes et manifestations perfides, de l'exclusion de la plus grande partie de nos populations rurales n'ayant point le droit de cité, et de fait exclues d'un système qui ne daigne leur accorder comme accoudoir que la pauvreté chronique dans laquelle elles se meuvent et se débattent. Êtes-vous donc aveugle, ou faites-vous semblant, de la chronicité des complexes existentiels savamment instillés depuis la période coloniale, notamment via le système éducatif scolaire, exclusivement excluant? In fine, nous daignons la liberté de penser et d'agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, de la contrainte à l'adoption d'un système socio-politico-économique auto-imposé et non rationnellement opératoire, qui n'a pour seul et unique but que de nous déposséder, en nous gardant bien au calme, par et au profit du pâle oppresseur caché, derrière ces agents traîtres négrillant le service au gros bide, appâtés par l'infime part résiduelle du gâteau qu'on daigne bien leur accorder, et donc disposés à livrer l'ensemble de leur peuple juste pour bouffer la satiété et s'acheter des babioles. De la haine diaboliquement auto-entretenue entre nous tous, quotidiennement, afin que l'oppresseur puisse tranquillement marcher sur nos cadavres pour aller ramasser sa sale pitance. C'est de cela qu'il s'agit, et ce juste entre autres. Et oui, c'est bien là les symptômes du grand corps malade qui caractérise l'être chancelant que nous habitons et appelons Sénégal. Sans pour autant ne serait-ce qu'entrevoir ce qu'il a été au sein de la grandeur passée du bloc continental historique auquel il fut rattaché. Ceux qui veulent se laisser mourir n'ont qu'à se terrer dans leur trou et se taire. Pas de problème. Quant aux dignes représentants de la fierté noire africaine, ayant pris conscience et le temps de se préparer pour la lutte ultime de libération à l'ère actuelle ô combien cruciale, continuons, gardons le cap. La vérité est de notre côté, et le temps viendra où un regroupement effectif permettra la jonction des forces vives requises pour enclencher de manière inéluctable la réappropriation de nos existences. Nous avons, et ne le commandons à personne, mais l'exigeons à nous-mêmes, le devoir de porter ce combat afin qu'il résonne au pentacle du royaume spirituel céleste qui assurément nous assiste et agrée notre démarche. Voyez-vous, cher ami, maintenant que je baigne dans l'abondance totale, que we have now, je n'ai a priori aucun intérêt à poursuivre un quelconque combat pour quelque cause que ce soit. Mais le cri de terreur et de désespoir de la terre que nous foulons tous les jours et à qui nous devons tout nous assigne l'impérative nécessité de réagir et de nous défendre, by any means necessary. Nous parlons là, mais agissons de manière effective sur le terrain depuis belle lurette. Gardez donc vos likes et vos partages si vous le souhaitez, pour ces pseudo-activistes alimentaires et autres bras cassés de mes deux. Point de confort pour l'homme accompli sans dignité, sans gai, no go rewai. Stand up on your ground today doesn't mean you ain't gonna eat tomorrow. This is our country. On a longtemps voulu nous faire croire que les dés étaient piqués d'avance. Et on a tout gobé lâchement, sans même faire l'effort d'essayer de résister. Croyez-moi, c'est plus que possible à l'heure actuelle et pas besoin d'être des millions ou des milliards. Une bonne masse critique de départ de gens courageux, outillés et préparés sur tous les plans suffit largement pour enclencher la dynamique nécessaire. Rest will be history. Je finirai en rappelant à tous les vampires et lâches vautours qui dernièrement ont essayé à maintes reprises d'attenter à mon intégrité physique, d'essayer de mettre fin à mes jours, ainsi qu'à celles et ceux qui ont cru pouvoir disposer de ma personne en se prenant pour Dieu, qu'on ne déracine pas un baobab aussi aisément. Sachez pour votre piètre gouverne que je reste du coup plus que jamais vivant, vivifié, plus fort, renforcé et totalement renouvelé. Et je répondrai assurément coup pour coup, comme je l'ai toujours fait.
On ne tend pas la joue gauche par ici. Ces derniers et ces dernières se reconnaîtront. Au demeurant, vous n'êtes que le simple courroie de transmission de la force occulte qui vous anime et vous dirige à votre insu. It is simple, please. Do my thing. There's spiritual warfare going on, and we also focus on it. Il convient à cet effet de prendre le temps de développer à présent la centralité de l'initiative de ma présente prise de parole, en vous parlant tous à corps ouvert. Écoutez-moi très bien et accrochez-vous. À travers cet exemple, vous comprendrez mieux pourquoi nous peinons tant en tant que peuple à exister. Le message sera codé NAC, alors faites l'effort de lire entre les lignes. Woke up with 50 enemies or more, planning my death. Judgment time has now come. And I'm expose you just to touch the heart of my people and make them beware of what's hidden behind the curtains. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous veulent se faire l'économie de l'effort de retrousser leurs manches pour gagner dignement leur pain et s'accrochent venimeusement à l'énergie d'autres qui, eux, font le boulot et comblent de tout, finissent par mordre la main qui les nourrit. Who God bless, no man curse. Some money, some come, it's my own. Comme si tu as parlé d'affaires que mon air m'a vendu qu'un moment. I'm a sovereign being. We took the time to build our empire brick by brick, around the rootless outside when no one was around to feel our pain or giving a helping hand. I'm a living legend and nobody can take nothing from me, nothing from what I decently earned and gained and the hard work has finally paid. De misérables existences utilisant tout le temps dont ils disposent pour en finir avec une personne qui les abreuvait allègrement de sa générosité en partageant bon gré les bénéfices de son labeur avec ses indignes êtres qui ont fini par oublier leur propre existence en se concentrant haineusement sur ce dernier quand, ayant eu la preuve de la non-nécessité d'assister ses sangsues, a décidé de retenir sa main bienveillante et les a effacées de la carte de sa vie. J'ai vu et entendu tout ce que vous faisiez. Mais j'étais trop occupé à asseoir les bases de ma prospérité future et consolider ma forteresse actuelle. C'est donc au sortir de ce chantier de vie que je viens à présent vous signifier que j'ai le temps de me pencher individuellement sur vos cas respectifs. Qui n'en sont réellement pas vraiment, vous ne pouvez pas m'atteindre. Au moment où tel l'œil du faucon au firmament, je vois tout ce que vous faites. Aux gangs de débiles que vous avez recrutés pour me faire la peau, posez-vous la question de pourquoi depuis tout ce temps je reste indemne de la moindre égratignure. Demandez-leur pourquoi eux se cachent derrière et vous mettent en avant. Pour régler un problème dont vous n'avez aucune connaissance, et réfléchissez bien avant de sacrifier votre vie pour rien. Vos policiers, avocats et autres membres de divers corps d'État constitués, quand est-ce que votre dossier sera assez fourni pour que vous veniez à moi? Ou la peur vous range-t-elle du fond de vos entrailles comme c'est le cas de ceux qui vous envoient sous de fallacieux motifs, en sachant pertinemment que le retour à l'envoyeur sera décuplé en intensité? Prenez garde à vous et honorez votre serment en vous mettant humblement au service des situations qui vous paient. Des citoyens, excusez-moi, qui vous payent. Cela vaudra mieux pour vous, quoi qu'il en soit. Je vous attends tous de pied ferme, et je sais pertinemment que personne ne bougera. Car d'où je vous parle actuellement, je sens vos faibles êtres tremblant sous le poids de mes mots aiguisés, et honté par l'indignité forcément constatée par votre être intérieur. Vous consumerez tous sous le poids de votre propre culpabilité. Quant à moi, je continue sereinement de voguer allègrement sur l'océan de vie, dont l'étendue infinie me donne à découvrir les infinies possibilités, qui ont fini d'asseoir en moi la plénitude effective au moment où le vide ontologique qui vous caractérise
achève sa phase finale d'extinction de votre triste existence. Beaucoup d'entre vous n'auraient jamais imaginé que derrière cet être angélique, empathique, se cachait une telle froideur. Mais c'est bien là le principe de l'art de la guerre qui vous est inconnu. Ô vous, misérable être acculturé. Je me représente donc à vous au grand jour en vous illustrant l'autre face de la pièce que vous n'entrevoyez pas. Et croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. The thing you know that we ain't going nowhere. Catch me if you can, bitch. À mes jeunes frères et cris de justice, sachez, avant de prendre toute décision hâtive, que de nos jours, l'homme africain intègre devra pouvoir composer avec cette menace triangulaire, matérialisée par des attaques provenant des trois angles que constitue la domination extérieure pour l'accaparement de ses richesses. La pression sociétale est parfois familiale pour l'accaparement de sa propre personne et ses propres démons intérieurs qu'il devra d'abord dompter avant de régler les problèmes suivants, tout en ayant les moyens de sa politique. Un homme averti en vaut deux nacres. Consoigne me wret, tachavel wet te setan. The show is free. La grandeur de tout être se mesure à l'âpreté des épreuves qu'il subit tout au long de son parcours et qu'il parvient à surmonter une par une jusqu'à son but final. Salutations fraternelles à tous les dignes combattants et combattantes. Mission in progress, guys. Revelation reveals the truth. Rest in power, Daddy Bobby, and all my love for y'all. From DK, September 2022. Wise word from the hurt of Free Spirit K69, alias Batch, or True Be the Key, aka the Dark Man. Homme désaliéné, assurément libre et rassuré, fier du sang des grands rois noirs qui coulent dans ses veines. Self-sufficient, proud and powerful black warrior. Succeed it with the right procedure. No need for no bullshit foreign help. No beggar for nothing. Time is gonna come. You will see and understand. But for now, just stay tuned, family. More content is to come soon. God bless. Peace out.